Vous avez déjà entendu parler de l'économie sociale et solidaire? Vous avez des cours là-dessus même? Est-ce que quelqu'un connaît a déjà entendu parler de la spiruline? Personne? Moi j'en prenais tous les jours. Voilà, c'est le micro-algue, après c'est bon pour la peau, pour les yeux, les cheveux. Donc la spiruline, c'est une micro-algue alimentaire. Donc on dit algue parce que c'est plus facile à comprendre. Mais ça n'a rien à voir avec les algues de mer. On va aller voir la spiruline dans la serre. C'est une bonne idée, non? La spiruline, elle aime bien la chaleur. Et elle aime bien aussi, en fait, un certain mouvement. Donc là, il y a un mouvement qui est donné dans les bassins. En fait, c'est un peu comme des hippodromes. Et toutes les heures... Il y a une pompe et bientôt une roue à aube qui est en train d'être mise en place qui va permettre en fait de faire cette agitation. Donc elle aime bien la chaleur, elle aime bien l'agitation et elle a un pH très élevé. C'est ce qui permet en fait d'avoir une qualité sanitaire. C'est comme si c'est comparable à du savon. Donc c'est comme si on cultivait la spiruline dans du savon. Ici, la spiruline, elle aime beaucoup la chaleur. Et donc on va pouvoir valoriser cette chaleur par la culture de spiruline. Donc en fait c'est comme un écosystème, l'idée c'est de créer une symbiose où les deux projets de méthanisation agricole et de spiruline peuvent travailler ensemble. Ça a été l'idée de base qui a commencé le projet ici. Et on a même développé le projet avec d'autres pour que l'éco-domaine ça soit pas que ces deux projets mais encore d'autres. Ça j'y reviendrai plus tard. Allez, on profite de l'éclaircie. Avocat, huile d'olive, citron. Là, un peu de persil et spiruline. You're just a street boy with a street lights in your eyes. You better get yourself together. Look for something better, street boy. Donc petit à petit, nous on propose un projet de développement de l'éco-domaine qui va valoriser ces deux bâtiments puis les autres. Et là enfin le dernier bâtiment, c'est le fournil. Donc c'est le seul bâtiment aujourd'hui qui est vraiment utilisé. Donc on fait des fournées de pain. Donc c'est l'association Néosource qui gère aussi les jardins pédagogiques à l'entrée qui organise des... vous pouvez venir pétrir votre pain et puis après on le met dans le four à pain. À chaque septembre, là on a commencé à faire la fête de l'éco-domaine et sur une journée, donc là ça va être le 15 septembre et l'année dernière on a eu 700 personnes qui sont venues. Donc on fait des visites des différents pôles du projet, il y a un petit marché de producteurs, des activités, il y avait un concert et il y a un barbecue avec les produits en fait de l'éco-domaine. Lycée expérimental en première ES et j'ai participé à un stage sur les associations et là je fais un atelier pour raménager l'espace vie du lycée. On m'a proposé avec le groupe de raménager l'espace vie du lycée, la cafétéria, donc de donner des idées, de poser le pour et le contre. Donc on a raménagé tout l'espace avec des canapés,
On a proposé, par exemple, de mettre un baby-foot, un autre ordi, et de faire différentes animations pour améliorer l'espace-vie. Mais aussi collectif, rendre service aux autres, qui ont, voir les autres heureux dans l'espace, c'est cool. Associatif, avant je ne le connaissais pas du tout. On m'a proposé le projet de le découvrir au lycée, mais bah, ça m'intéressait sans plus. Mais avec le stage par exemple, j'ai découvert le service civique qui m'a vraiment intéressé à fond. J'ai envie d'en faire un dans 2 ans après le bac. Et j'ai aussi découvert qu'on pouvait faire notre vie dans le milieu associatif, de pas une satisfaction personnelle. Les gens dans les associations ont l'air super heureux, on rend service aux autres et parfois on peut même gagner notre vie dans le milieu associatif. Et j'ai remarqué que les associations, ça marchait beaucoup avec le café. Et qu'à chaque association où on allait, ils nous proposaient un petit café, on parlait pendant 1 heure ou 2. Et c'était super bien, il y a un super bon contact, ils sont très sociables, voilà. Nous avons cherché des informations et réalisé des affiches pour comprendre ce qu'est l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire est basée sur des valeurs qui sont l'homme au cœur de l'économie, c'est-à-dire qui est le plus important pour ces organisations de satisfaire les hommes que de réaliser du profit. Ce sont des sociétés de personnes. La gouvernance est démocratique, donc chacun peut donner son avis et on est libre d'adhérer à toute organisation. Les différentes structures de l'économie sociale et solidaire rassemblent plusieurs personnes sous la forme d'associations, comme l'association Affaires que nous avons visitée, les mutuelles de la Maïf ou le Crédit Mutuel, les coopératives, par exemple les coopératives agricoles, les fondations et les entreprises sociales et solidaires qui visent à satisfaire l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt de tout le monde. Plus de 59 000 personnes travaillent dans l'économie sociale et solidaire en Basse-Normandie dans ces diverses structures. Par le biais de ces différents travaux, nous avons compris que le plus important dans l'économie sociale et solidaire, c'est l'homme. Comme nous l'avons dit auparavant, l'économie sociale et solidaire regroupe différentes structures qui ne visent pas le profit. Dans ces structures, chacun est associé à la fois au travail et à la gouvernance. C'est donc un projet collectif basé sur les relations humaines, donc sociales. De l'économie sociale et solidaire. C'est un projet de la région et de la CRES, la Ligue de l'enseignement. Tout à fait. Et on a été à plusieurs assises locales et nationales. La première étant celle de Saint-Lô. Saint-Lô. Ensuite on était à Caen, Coutances, Lyon pour la nationale. Et on a fini encore à Saint-Lô pour une conférence. L'objectif c'est de couvrir plusieurs événements. Alors donc Baptiste en a révélé plusieurs. Il y a aussi donc des événements de sensibilisation à l'économie sociale et solidaire qui se sont passés à Coutances. Il y a aussi le rallye qui s'est passé ici à Saint-Lô. L'objectif, c'est de tout rassembler en un seul journal. Un journal exceptionnel du lycée. Et puis, donc,
voilà, de faire paraître ça assez interactif. Les tâches ont été distribuées par... Par envie. Bah, déjà par envie, puis parce qu'il nous était... on avait des qualités, des expériences un peu plus économiques, plus... Sociales. Voilà, enfin, ça dépend. Il y avait une partie plutôt qui se déroulait sur la mise en place, la mise en forme des articles, du journal, l'écriture, surtout sur ce qui s'est passé des événements, et puis des explications plutôt économiques et sur des faits produits. On a une volonté de changer aussi. Voilà, oui, c'est... Le raisonnement économique actuel, capitaliste, non, peut-être pas, peut-être pas jusqu'au point de tout changer. Quand même, juste de prendre ce sujet, c'est assez politique. Oui. Et du fait que peut-être dans nos articles, on va peut-être montrer peut-être des fois nos idées aussi. Hein. Et d'une part, un autre objectif aussi, c'est de démocratiser un peu l'aspect économie sociale et solidaire. Quoi. En faire la promotion, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. D'ailleurs, le journal, il sera en libre-service l'année prochaine au lycée, pour que les gens puissent le lire, et même les profs d'éco aussi. Ouais. L'utiliser. Ça va où ce projet en fait ? C'est quoi l'avenir ? C'est juste un coup comme ça, ou c'est des projets à plus long terme ? En ce qui me concerne, et puis Thomas aussi, vraiment, ce serait de travailler dans le développement durable, parce que ça m'a toujours intéressé, et puis voilà, je considère que c'est vraiment une filière d'avenir. Ce parcours m'a vraiment permis d'approfondir l'idée que j'avais de l'économie sociale et solidaire, notamment en visitant l'entrepôt de la Banque alimentaire. Et ça m'a permis de voir qu'il y avait vraiment de nombreux bénévoles qui travaillaient sur ce site pour pouvoir aider de nombreuses personnes en difficulté qui n'ont pas les moyens de se nourrir convenablement. Ça veut dire quoi, social, en fait ? Social, c'est plus pour le bien-être des personnes qui travaillent dans cette entreprise, qui peuvent profiter des bienfaits de l'entreprise. Et solidaire, ça pourrait dire quoi ? C'est plutôt l'entraide des personnes par rapport aux autres personnes qui sont les plus démunies. Par exemple, avec Tri Tout Solidaire, qui permet de recycler des objets pour les mettre en vente pour les personnes qui n'ont pas... forcément l'argent pour acheter des objets neufs. Public plus ou moins jeune, il y a toute tranche d'âge. Essentiellement féminins, qui ont eu des accidents de la vie, qui ont des situations familiales ou personnelles difficiles, et qui ont envie de réenclencher, en tout cas de vouloir essayer de trouver du boulot.
Ils vont faire à la fois la mise en rayon, à la fois aussi du tri, parce qu'on fait quand même 400 tonnes de textiles, donc il faut qu'on les trie. Donc, donc ils vont travailler sur le tri, ils vont travailler sur le repassage, sur la mise en rayon, sur la vente, en boutique, tenir une caisse, savoir compter, être face à face avec les gens. Donc, on va essayer de travailler ces différentes étapes pour rendre les gens le plus à l'aise possible. Bien sûr, après, il faut faire avec les caractères des gens. Il y en a qui sont plutôt extravertis, d'autres qui sont plutôt introvertis. Et donc, en fonction de ça, on ne va pas forcément forcer quelqu'un à discuter avec d'autres si elle n'a pas envie. Hein, mais c'est aussi basé sur le volontariat. Mais en tout cas, voilà ce que c'est qu'une structure, très brièvement, une structure d'insertion par l'activité économique. Il y en a qui ont été voir ou qui vont aller voir un pêcheur. Oui. Pour lui demander si par hasard on ne pourrait pas lui acheter du poisson. Oui. Pour pouvoir après le travailler. Oui. Pour montrer au relais enfant comment on le travaille, le mettre en filet sous différentes formes. D'accord. Et pour peut-être par la suite qu'il puisse l'acheter à un prix raisonnable. Leur apporter une aide à découvrir des choses. Et découvrir quoi ? Le milieu de la pêche. D'accord. Donc le poisson. Oui. Ces personnes-là, en l'occurrence chez nous, au Relais Enfants, certaines d'entre elles, ou sinon quelques-unes, ce serait déjà très bien, qui soient intéressées pour justement participer à cet échange avec vous, et puis de se dire, voilà, bah oui, moi ça m'intéresse, j'ai envie de savoir comment on découpe le poisson, et pourquoi pas, parce que le poisson c'est quand même bon, et il n'y a pas que le poulet et le bœuf, et donc, cheval, et ou le cochon, enfin bon bref, on ne va pas faire la chaîne alimentaire, mais tout ça pour dire que, voilà, il y a moyen de se réapproprier certains gestes qui ne sont pas, à mon avis, sorciers. Ça participe aussi, je pense, à, quelque part, à une finalité de bien-être, de santé aussi. Voilà. Quand Fanny m'en a parlé, je trouvais ça vraiment, dans l'idée, super intéressant. Je suis partie prenante de mobiliser quelques-unes de nos salariés là-dessus, qui auront un peu de temps, j'espère, à donner, à consacrer. Ce qui est bien, en fait, c'est que au moins, les personnes, ils seront à peu près plus chez le poisson, donc ils achèteront du poisson moins valorisé. Alors nous, ça nous les fera vendre plus cher, comme ils seront plus demandés. Et à la criée, le poisson, il est débarqué. Et le matin, quand il y a des ventes, c'est un poisson qui est vendu très peu cher. Et, pourquoi c'est pas un poisson qui est beaucoup demandé. Voilà, il n'y a pas beaucoup de demandes, tout ça. C'est des poissons perdus. Enfin, C'est du bon poisson? La roussette, le taco, tout ça, le chinchard. Ça peut être très bon quand ça en filet, tout les ça. Les gens, en fait, ils achètent pas parce qu'ils croient que c'est pas bon, parce que c'est plein d'arêtes. Mais une fois qu'on sait bien cuisiner, C'est la préparation. Un peu plus claire de l'économie sociale et solidaire. Enfin, moi, ce que j'en ai compris, c'est que c'est... moi, c'est de l'économie qui sert, enfin, qui est favorable aux consommateurs et aux producteurs. Il y avait tout un circuit court. C'est un peu une forme de commerce équitable, mais à la manière de l'emploi, quoi. Essayer de favoriser l'emploi, justement. Les locaux. Tout le temps, c'est des... Sur un territoire local. Des métiers. Moi, je vois ça aussi plutôt par rapport à l'homme, tout ce qui touche. Valoriser l'homme, le travail de l'homme. Et de faire aussi participer le public aux différents projets, quoi. D'avoir aussi cette notion de relation et de contact humain, ne pas le perdre, quoi. C'est ça qui est différent. Parce qu'il y a social et solidaire. Du coup, solidaire, il travaille en adéquation, en réseau avec les acteurs locaux, circuits courts, les agriculteurs locaux. Et ça vient contrer la grande distribution, les grands consommateurs. Déjà qu'on a affilié pas mal aux circuits courts. C'est assez familier, je trouve. On n'est jamais trop sorti de là-dedans. On y est déjà par nature en arrivant en BTS. C'est juste qu'en continuant, pendant les deux ans, on a eu différents acteurs. Ça nous conforte dans notre idée, dans nos valeurs. On est plus ouvert qu'avant, mais on en connaît plus sur ce qui nous tenait déjà à cœur, donc c'est encore plus intéressant.
Après, professionnellement, bah, c'est vrai que l'économie sociale et solidaire, enfin, moi, je voudrais travailler plutôt dans sensibilisation au développement durable et enfin, sensibiliser les publics à l'environnement. Et c'est vrai que bah, l'économie sociale et solidaire, ça rentre dans le cadre du développement durable avec les trois pôles environnemental, social et économique. Et voilà. Après, personnellement, l'économie sociale et solidaire, après, ça pourrait m'inciter à devenir bénévole dans une assoc, par exemple, aider, oui, dans une association, à aider les personnes à s'insérer ou des choses comme ça, valoriser des produits, un territoire, des choses comme ça. Bah, moi, pour moi, cette notion-là, c'est vu. Moi, je suis plus porté sur tout ce qui est plutôt lien social. Et je trouve que déjà, je veux, bah, comme je le disais tout à l'heure, travailler dans la culture. Et je pense que bah, l'économie sociale et solidaire, ça peut être aussi une forme de culture. Et justement, bah, grâce au réseau, d'entretenir ce lien social et de le renforcer. Parce que je trouve que le contact avec les gens, c'est ça le meilleur, quoi. On prend beaucoup des gens et ils nous apportent beaucoup en retour. Donc pour moi, c'est important. Moi, je pense que l'économie sociale et solidaire, ça peut s'inscrire aussi dans mon projet professionnel. Un peu comme Charles, j'aimerais travailler dans la culture, mais après, ça a précisé, enfin en association, je pense, du coup. Et du coup, en association, on peut développer plein de choses, notamment en termes de collectif, rassembler des associations, etc. Donc je pense qu'on était concernés par le thème du jour, et voilà. Merci beaucoup. Merci. Venez de sortir de table. Permettez que nous vous exposions nos efforts incessants pour avoir de quoi manger. Comme vous. S'il vous plaît, regardez-nous dans la recherche sans relâche d'un travail. Malheureusement, sur le travail comme sur la nourriture, se dressent immuables des lois dont on ignore tout. Je cherche quelqu'un pour vendre mes journaux à la criée et pour dénicher de nouveaux acheteurs. Car depuis peu, ma clientèle n'augmente plus. Et moi, je dois rester à mon kiosque. Ton travail chez nous en plein vent, il n'y a personne que ça intéresse. Choisis parmi nous, tu as le pouvoir. Nous voulons tous vendre tes journaux. Je n'ai pas de travail pour tout le monde. Tu as de la famille, toi? Ah ouais, j'en ai plein. Moi, je n'en ai pas. Il est bigole. Je pourrais tenir pas mal de couches, j'étais porteur. Tu es trop vieux. Je suis plus jeune. Suis-moi. Donc, je m'appelle Margot, j'ai 19 ans, je suis en terminale STG. Donc voilà, je suis dans l'option théâtre depuis 3 ans, donc depuis ma seconde. Et c'est quelque chose qui me passionne, voire un peu trop, parce que professionnellement j'aimerais continuer là-dedans. On parle de tous les problèmes que peut traverser une entreprise, tout ce qui est fermeture, licenciement, un peu les sujets d'actualité, à vrai dire. Et c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur de remarquer qu'on arrête nos études et qu'on va rentrer dans un monde qui est déjà compliqué à la base. Et comme moi, je suis en STG, j'étudie tout ce qui est l'économie et le droit, et surtout l'économie et le droit des entreprises et tout ça. Et c'est vrai que c'est des sujets qui font peur et qui donnent pas du tout envie d'aller vers la vie active, parce que ça a l'air d'être un périple monumental et d'avoir une stabilité, d'avoir un emploi tout simplement. Et c'est vrai que ça donne pas envie. L'économie sociale, ça me fait penser à... Comment dire ça ? L'entraide, le partage... éviter de se regarder le nombril et un peu penser aux autres de temps en temps. Et tu crois que le théâtre, ça peut participer à ça ?
théâtre, ça peut servir à passer des messages. Ça peut servir à ouvrir les yeux à certaines personnes, comme un peu tous les arts, je pense. Tu m'accompagnes, quoi. Tu complètes. Moi, je fais clang, et toi, une, deux. Tu comptes une, deux, et clang. Pareil. Clang. Ouais. Ouais. Une, deux, clang. Mais bon, pas clang, clang, non. Clang. Ah, d'accord. Énergique. Enlevé, même. Compris. Clang. Voilà. Attention. Clan. Mais non, pas tout de suite. T'as compté une, deux. C'est pas vrai, ça. Je me concentre. Clan. Clan. Ouais, c'est bon, ça. Très bon. Bien en rythme. Clan. Clan. Une belle équipe, on va faire, tous les deux. Clan. Clan. Au début, bon, là, ça va tout doux, hein. Clan. Clan. Pas trop fort, ni trop vite. Ensuite, ça accélère. Ça dépend des jours de la production. Clang. Clang. Longtemps que t'es là? Des années, tu penses. Commencer tout petit haut. Clang. Clang. Non, non, non. Tout doux. Faut pas non plus... Clang. Je suis pas clang, là.